Salut à tous, salut à toutes, c'est DIRK36 pour l'épisode numéro 2 de notre Let's Play sur Endless Legend Guardians, oh yeah, ou Gardien, ça va aussi très très bien comme appellation. Notre petit empire débutant où je vais bientôt construire un colon pour partir plutôt vers le sud, là sur le territoire de Dels. Et puis niveau armée, j'en ai qu'une actuellement qui est partie où d'ailleurs? Où est-ce qu'elle est ma petite armée? Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bouger avec notre armée plutôt vers ici. Voir un petit peu ce qui se cache dans ce coin. Toujours pas rencontré les autres factions. Il y en a 4 autres. Je suis actuellement plutôt vers le bas, l'avant-dernier. Avant-dernier. J'ai pas encore construit de ville, c'est probablement ça. On avance. J'ai construit un chaman pour les armées. Et puis on va faire une mine à ciel ouvert dans la suite. J'ai 76 de brume, est-ce que je peux accélérer un peu? Non. L'extension urbaine, c'est pour le prochain tour. On verra l'impact que ça a sur la satisfaction. Donc plus 10, hein, vu où je m'expands, il y a un bonus. Voilà, là le mouvement je l'avais déjà enregistré, c'est pour ça qu'il avance. Extension urbaine, et puis après ce sera le village. Aperçu d'une nouvelle ère. Ok. Donc là c'est la nouvelle ère au niveau de la recherche. Parce que je commence à avancer. On va explorer. Ici, ces ruines. Et rien de découvert d'intéressant. Ok. Bon, on va revenir de nouveau sur notre territoire. Parce qu'on va bientôt avoir un colon. Enfin, bientôt. Je crois que c'est le prochain. Qu'est-ce qui se passe? Gain de niveau. Alors, ici, c'est pour... Plus un emplacement d'accessoires supplémentaires. Même hors du combat. Un XP sur... Ouais, c'est pour gagner des XP. Ça, je prends. Et ça, c'est... J'ai 6 de pop. Et je voulais vérifier. Voilà, le colon, c'est après. Une fois que j'aurai fait le village. Après, on fera une bibliothèque. Et puis un système d'assainissement. Vous voyez que là, la satisfaction a baissé. Hein, avec l'augmentation de population. Le fait de faire un colon, ça l'a fait baisser, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ok, plus que 2 tours. Ça, c'est pour me dire que... Il y a du gain de niveau dans mes armées. C'est très bien. Ça me réjouit. Voilà, l'armée est en train de revenir. J'aimerais bien accélérer un peu la prod, là. D'ailleurs, il y a... Ouais, j'ai déjà tout mis là-dedans. Peut-être j'ai pas besoin d'autant d'expansion, un peu plus d'argent. Voilà, j'ai construit le village. Disparition d'un acte légendaire, moissonneur de richesses. Voilà, les 3 boosters, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Donc ici... quête en cours, doit s'étendre, besoin d'aide. Alors, assimiler une faction. Ça, c'était là, pardon. Est-ce que je peux les assimiler? Oui, il me fallait 30. Ok. Donc, plus 0,5 ressources par village de Silic pacifié sur gisement de ressources stratégiques. Ok. Mais là, est-ce que c'est un gisement? C'est là-bas, mon gisement. Bon, faut croire que ça donne un bonus. Ensuite, on en était... Non, je peux rien booster, là ça me coûterait 178. Le colon, 331. Non, j'ai clairement pas les moyens pour faire ça. Ma recherche, elle en est où? Là, je suis en train de rechercher mine à ciel ouvert. Si je dis pas de bêtises... ensuite, qu'est-ce que j'aimerais rechercher? Amélioration militaire, 60 limites des points de fortification de la ville, un emplacement de milice en plus. Ça j'ai découvert, ça j'ai découvert. Oui, pour les armes des héros, on va prendre ça. Et puis, terrain avec une rivière. On a dit qu'on prenait pas, on n'en a pas besoin. Déverrouiller la section du marché mercenaire, ça pourrait être utile. Et un peu plus de production, avec une fonderie. Ok. Allez, ça suffit comme ça. Tour suivant.
Bâtiment légendaire construit, mince. C'est le musée, j'hésite à le construire, ils sont allés plus vite. Nouvelle fondation, voilà, j'ai assimilé. Il n'est pas toujours aisé d'intégrer de nouveaux alliés, quelle que soit la manière dont on s'y prend, mais vous avez la conviction profonde que cela sera nécessaire. Ouais, ok. Nouvel objectif, vous avez au moins appris une chose, Auriga est dangereuse, développez votre force militaire choisissant un héros et en lui formant une armée. Utilisez cette armée pour explorer et sécuriser votre région capitale. Fouillez des sites de ruines de temples avec une armée dirigée par un héros indompté et composée d'au moins 2 unités à distance et 4 unités de faction mineure. Waouh. Puis pour avoir des unités de faction mineure, bah c'est dans celle que j'ai assimilée. Là, je peux construire un armonite. Ah, on va en mettre un. Bon, c'est pas demain la veille que je vais réussir à accomplir cette quête. Hein. Et puis là, ça me montre où se trouve... voilà, il faut que j'aille jusque là-bas. Je peux m'y rendre maintenant, mais je pourrais pas accomplir la quête. Hein. 2 unités à distance, et puis il faut quasiment que j'aille... Ouais, ça va être compliqué. Bon. Ah mince, j'ai avancé alors que... Ouais, le colon, ça s'est fait, ok. Recherche, mine à ciel ouvert, alliage avancé, on y va. Et lui, là, je veux mon colon. Donc, je le sors et je le ramène dans l'armée. Et l'armée, on va trouver un endroit sympatoche, là, pour s'établir. Et puis, comme ça, je pourrais me défendre, si jamais, avec mon armée, sans souci. Dans 6 tours, stratégie d'empire. Ok. Avancer jusque là. Alors, une ville. Là, ça donnerait quoi? 3, 8, 2, 8. Ici, 3, 10, 2, 11. Pas beaucoup de bouffe, hein. Pas beaucoup. Ouais. Ouais. Pas mal. Il n'y a pas de rivière non plus. Là, c'est Secos. Ouais, pas terrible. 3, 2, 15. Là, il y a essentiellement... Ouais, c'est peut-être par là que c'est le plus équilibré. 6, 8, 8. 5, 9, 1, 8. Pas beaucoup de science, mais c'est raisonnable pour le tout. Allez, on va se mettre ici. Et là, j'aurai du verre d'acier. Alors, pas beaucoup de nourriture. Donc, on va mettre du grenier. Extracteur de ressources, ouais, bibliothèque, système d'assainissement. Allez, extracteur de ressources. Puis après, l'hôtel de la monnaie. Il faudra qu'on mette pas mal de gens au départ ici. Là, voilà, pour que la population croisse assez rapidement. Ça c'est quoi, les chasseurs dans l'armée qui prennent du niveau. Que des bonnes nouvelles! Ok, système d'assainissement en cours de construction dans la capitale. Bon, j'ai tous les actes légendaires qui me sont passés sous le nez. Je m'y suis pas beaucoup attaché. On essaiera de voir si pour la prochaine ère, on arrive à faire quelque chose de mieux. Bon, je suis toujours... Il y en a un qui se détache, mais des autres, on est assez proche. Là, bon, il y a beaucoup de villages, hein. Est-ce que je peux acheter quelque chose pour accélérer tout ça? Non, ça coûte beaucoup trop cher. Et puis le système d'assainissement, c'est pour le prochain tour. Ah oui, vous voyez, j'ai perdu un point de pop sur cette ville. Dès que l'harmonie est construite, je l'envoie dans l'armée et puis on va nettoyer un petit peu ce qui se passe ici. Ok, plus 4 là. Ah bah voilà, l'hiver arrive. Vous voyez, moins 50% de déplacement sur les unités, moins 1 sur l'exploitation par case, je pense, etc., etc. Et là, ça dure, c'est aléatoire, pendant 1 à 21 tours. C'est comme ça que j'ai à peu près compris le machin. Et puis, ça peut durer très peu, ou alors toute la durée de la période, ça dépend. Je sais plus comment l'algorithme est fait. Alliage avancé. Voilà, les marchés des mercenaires. Prochaine recherche. Population qui est passée à 6.
J'aimerais bien avancer un peu plus dans la science pour aller à la prochaine ère. Ouh, il faudra 37 tours, mais ça c'est parce qu'on est dans une période de... J'ai pas besoin de plus autant besoin d'autant de production. On va en mettre un petit peu dans l'influence, histoire d'assimiler. Donc j'ai 50 points, ça me coûte 40 pour ça. Ouais. Et si on se mettait un peu plus en science? Ouais, mais je gagne vraiment plus rien du coup. Bon, espérons que ça dure pas trop longtemps. Je vais laisser mon armée ici. Parce que ça rôde autour. Oh là là, ça avance pas la production là-bas. Ah, je peux acheter. Voilà, file d'attente vide. Extension. 7-4. 10-2. 1-3. 1-2. 4-1. Ouais, c'est plutôt ça. Alors, 1-16 pour l'hiver. Allez, que ça se finisse. Ah, voilà. Une nouvelle ère de recherche. Je peux aller voir ce qui se passe au niveau de la recherche. On ferme. L'été de retour, merci. Ça fait du bien. On va laisser les recherches se terminer là. Puis ensuite, alors, mettre des marchés. Soyez le premier à avoir des revenus de route commerciale principale d'au moins 20 points. Ah, j'ai pas encore fait des routes commerciales. Pas. Soyez les premiers à attaquer et vaincre au moins 10 armées d'autres empires. Ouais, bon. J'ai encore trouvé aucun empire. Baron de l'industrie. Une mégalopole industrielle. Ah, j'ai vu que c'était possible de faire là sur la dernière ville, ce genre de choses. Donc, une rivière. J'ai pas de rivière. De grandes quantités de grains peuvent désormais être stockées en sûreté pendant longtemps. Ok, pour la bouffe, c'est intéressant. 25 sur la ville, c'est le marché central. Ok, ça je prends. Des marcheurs centenaires, ça c'est des unités assez puissantes. Plus d'unités dans l'armée. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc moi, je voulais monter mon armée par ici. Et puis là, je vais prendre l'harmonite. Et puis l'adjoindre à l'armée. Et puis on va s'occuper des villages ici. C'est possible qu'ils attaquent ma ville droit derrière. Hein. Non, j'ai pas moyen. Fin du tour. Oh là là, il fait une de ces chaleurs chez moi là. J'ai de la peine. En plus, je ferme la fenêtre pour pas qu'il y ait des bruits. Alors c'est un véritable enfer. Ah là là, bon. On attaque. Ouais, c'est bon. On est vraiment en supériorité là. Ah, ben j'ai perdu l'harmonite. Un village en moins. Je pourrais essayer d'aller attaquer là-bas. Là, on va avancer d'un coup. Faction Goren est prête à être assimilée à votre empire. Faction assimilée. Gaoran. Ah, il me faut 30 points. Il me faut 30 points. C'est comme tout à l'heure. Mais j'ai 47. Pourquoi c'est pas possible? Faction mineure. Ah, parce qu'il faut que j'aille un village. Il faut que je construise le village. Donc, Gaoran. Ici. Est-ce que je peux le monter dans la file? Ouais. Voilà, je l'ai monté dans la file d'attente. Ouais, ça fait 12 tours pour avoir... Non, il faut que je le laisse dans la production de nourriture, à mon avis. Fin du tour. C'est bon. Ok, les Minotaures.
On est en supériorité. On les a explosés. Ok, très bien. Là, ils sont même pas trop mal en point. On va aller explorer par là. Ah, il y a des amis. Je vois pas les frontières d'autres empires pour l'instant. Ok. Parce que ouais, je vais les attaquer, tant qu'à faire. Vous voyez, hein, je perds rien, les unités perdent rien, je vois pas l'intérêt de faire les combats pour l'instant. Peut-être je suis pas allé assez loin dans le jeu. À part pour s'entraîner et puis comprendre les principes de base. Ok, là. On va aller. Allez, on va aller voir vers cet arbre doré. C'est assez joli. C'est qui, c'est là? Une armée errante, armée ennemie. Bon. À voir. Vous voyez, là, la périodité, c'est entre 25 et 45 tours. Alors, Kreniagrin, Gaoran, suivant. Ok. Donc, il nous attaque directement. C'est écrit crépusculaire. Voilà. Oula, les chasseurs là, ils sont à moitié morts. On va se replier un petit peu. Économiser nos armées. Hop, hop. Ouh, je perds de l'argent maintenant. Là, niveau construction, 13 tours. Extracteur de verre d'acier. Ah, je pourrais investir là-dedans. Comme ça, parce que comme c'est à chaque tour qu'il y a une petite production, le temps de l'accumuler, fonderie et on passe au grenier public. Ok. Maintenant, il y a le village qui va être construit. Alors après, là, je vais reconstruire un harmonite dans l'idée d'avoir un peu plus de puissance militaire et puis pour accomplir la quête. Une fonderie. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, je pourrais encore enlever un petit peu ici. Si j'enlève et que je mets en science. Ouais, ça va. Au niveau production, ça sera compensé, j'espère, par la fonderie. Ok. Les choses se déroulent à peu près bien. Ici, je pourrais aussi construire une autre unité avec les unités assimilées de Gaoran. Donc des grands herbivores, c'est ces machins-là. Ça, c'est quoi? Extracteur de verre d'acier, ok. Est-ce qu'il va attaquer ma ville? Bon, il a l'air à peu près gentil. On va revenir avec l'armée. Là, j'ai mes chasseurs qui sont à moitié mort. On va les mettre, même les mettre à l'abri. Fin de tour. Extension urbaine, harmonite, ça c'est pour la suite. Très bien. Nouvelle quête, une épidémie de brutalité. Les factions mineures sont plus dangereuses que jamais. Et il faut pas. Stratégie d'empire imminente, mais j'ai à peine eu le temps de voir les quêtes là. Alors, donc il peut y en avoir plusieurs en même temps. Donc ça c'est la quête de faction et ça c'est des quêtes en coopération. Donc les factions mineures sont plus nombreuses. Vous devez trouver un moyen de mettre fin à l'épidémie. Des débordements d'une extrême violence éclatent sur vos terres. Les médecins chercheurs d'Origa rejettent la faute sur les armées indisciplinées touchées par une épidémie ressemblant à la rage. Des zombies, quoi. Heureusement, l'origine de la contagion est apparemment connue. Cette quête est en cours. Donc, stopper les débordements en cours en pacifiant tous les villages hanteurs de Hymns. Supprimer cette faction. Vous devez trouver la région en explorant la carte. Hymns. C'est où? Bah c'est pas là. Dès qu'on voit Hymns, bah, on leur sautera dessus. Là, les chasseurs, ils sont encore en train de se rétablir. Je pourrais les vendre d'ailleurs. On peut les moderniser. Mais là, je peux pas les soigner plus vite. Mais d'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'ils régènent là. Vous avez vu bouger ce machin? Là, il est niveau 3, d'accord, et 40 sur 84.
Ah voilà, là c'est monté. Fallait peut-être attendre un tour. Ça remonte pas très très vite d'ailleurs. Le village, non, il faut 6 tours pour qu'il soit construit. La population a changé dans une ou plusieurs de vos villes. Elle est passée à 4 à Dels. Ok. Là, il faudra 8 tours, un peu plus de production. Et si j'en mets 2 comme ça, 10 tours. Ouais. Et ça sera fait en 4. En 5, en 4. Allez. Plus de prod. Puis d'ailleurs, je peux planifier la suite. Ça serait une extension. 3, 4, 5. 3, 1, 5. 1, 5. 1, 4, 2, 4. Là, c'est assez riche. Là, c'est bien. Il y a de la prod. Ouais. On va s'étendre par là. Et puis là, le village. Un deuxième même. Ok. Au bord de la faillite. Ah oui, mince, la brume. bon. Donc, on va en mettre un là. C'est bon. Là, j'avais oublié ce petit détail. C'est bien de faire des unités, mais si on peut pas les soutenir... Bon, espérons que ça tienne comme ça. Ouais. Encore un tour pour le village. Harmonite construit. Encore un tour là. Je pourrais peut-être aller faire un tour sur le... Ah ouais, mais sur le marché, ça sert à rien que j'y aille, vu que j'ai pas d'argent. J'ai vraiment plus beaucoup d'argent. Il va falloir que je m'en occupe rapidement. Voilà, hôtel de la monnaie, ça c'est une bonne chose. Je produis. Il y a quand même pas mal de... 5 tours pour pop supplémentaire, 6 tours, ok. Un petit peu d'argent en plus. Et puis là, niveau production, on va encore mettre là pour la production d'argent. Ok, 6, 8, ok, très bien. Là, pour vous montrer, on peut acheter des unités en plus. Ah bah, en fait, j'ai pas besoin d'assimiler tout le monde. Je peux aussi acheter des au marché différentes unités. Il y a des ressources de luxe, là j'ai rien, j'ai pas encore accès, et des héros, mais voyez les prix, hein, actuellement, avec leurs différentes statistiques. Ouais, c'est pas pour tout de suite, vraiment pas. Et là, la stratégie, on va mettre pour l'argent, 80, 150 points, est-ce que je peux encore mettre un peu plus ici, ça fait que j'ai 120 points, et je peux pas plus, voilà. C'est une sorte de d'orientation stratégique globale, ça c'est intéressant. Alors j'ai plus rien à construire. Grenier public mégalopole. Donc 22 tours. Oui, ça c'est. Ouais, j'ai bien envie de faire ça, mais je vais juste voir comment je peux m'expandre juste avant. Il n'y a pas beaucoup de trucs pour la recherche. Hein. Ou alors pour le fric. Où est-ce que j'ai le plus de brume à récolter? Là, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose. Là, j'ai de la prod et de la recherche. Ouais, on va peut-être pas s'expandre ou s'étendre tout de suite. La mégalopole. Ah, c'est un bâtiment qu'il faut construire. Il y a de la science et de la prod. On va le faire là. Et puis ensuite, un grenier public. Alors du coup, est-ce que... J'ai pas besoin d'avoir trop de prod tout de suite. De pop, pardon. Hop, on monte, ça fait 20 tours. Ok, on va tenter ça. J'ai encore jamais fait. Milice, gain de niveau, très bien. Fonderie, la mégalopole, ok, c'est ce qu'on vient de faire. Il faudrait que je pense à faire un autre colon. Bon, d'accord. Ok. Quête terminée, une épidémie de brutalité. C'est moi qui ai fait ça, c'est... J'ai gagné quelque chose? Non, ça c'est... J'ai rien compris là, pour être franc. Alors là, bah tant mieux. En tout cas là, maintenant, niveau finance, ça va bien. Mon armée, là, elle est ok. Très bien, il faudrait...
peut-être juste faire un colon avant. Avant toutes ces histoires-là. Voilà, dans 4 tours. Et puis la prochaine province. Ah, j'aimerais bien aller par là avec cette histoire d'arbre là. Intéressant. Voilà, je construis un petit peu d'armée maintenant. J'ai les ressources. Bon, ça a l'air de se développer pas mal. Je suis un peu inquiet de voir personne. Au niveau du classement. Ouais, je suis toujours avant-dernier. Hein. C'est pas terrible. Hein. Je sais pas sur quoi je vais tomber en face. Je sais pas si je me développe assez vite. Bref, j'attends vos commentaires. Un éventuel like, pourquoi pas. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36 sur Endless Legend Guardians. À très bientôt. Ciao!